Alléluia. Welcome. Bien, vous êtes les bienvenus. Amen. Tout le monde. Amen. The Lord welcome you and bless you and make his face shine upon you. Amen. Bonjour tout le monde. Et pour tous les gens, où que vous soyez, la bénédiction du Seigneur qui est avec nous. So we want to encourage you with the blessing of the Lord who's here with us, you know, abiding with us. He's there with you, yeah. Amen. And we wanted to have a message, very important message, about how angels sent by God. Are sent, yes. Et on veut partager aussi le thème d'aujourd'hui. Qui est comment le Seigneur il nous envoie des anges. C'est ceux qui sont envoyés du Seigneur pour nous. Amen. Because even if we don't see them, parce que même si on ne leur voit pas, but they are with us. Ils sont quand même ici avec nous, entre nous. Ok, you want to have a small prayer before we begin? Alléluia. Alors on va commencer avec une petite prière avant de commencer. Thank you, Lord Jesus. Seigneur Jésus, on te remercie. For your presence in our lives. Pour ta présence dans nos vies. And for your protection. Et pour ta protection. And today's message will touch many hearts. Et que le message aujourd'hui ça puisse toucher des cœurs, Seigneur, and beaucoup encourage people. Et que ça puisse encourager les gens. To see things invisible becomes visible in your life. Pour qu'ils puissent voir les choses invisibles d'une façon visible. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, amen. Okay, so our subject, like we said, that it's the angels sent by God. Alors, comme on a partagé le thème d'aujourd'hui, c'est les anges envoyés de Dieu. Many believe that angels are still among us. Plusieurs personnes y voient, y croient vraiment encore que les anges ils se trouvent autour de nous. Their very name, angel, means messenger. Le nom même, ange, veut dire celui qui est un messager. And we can be assured that when they are here, et on peut être assuré que pendant qu'ils sont là, they have come for a very specific purpose. Ils sont venus pour un propos si spécifique. For throughout history, parce que à travers toute l'histoire, angels have been sent by God to bring a message of hope. Les anges, ils étaient envoyés de Dieu pour apporter un message de l'espérance de to Dieu. To protect, pour protéger. To comfort, pour apporter le confort. To serve, console, pour servir. Carry out His judgment. Et pour accomplir, ça veut dire. Le jugement de Dieu. And to give him praise. Et pour lui donner toute la louange. There are people who have had encounters with angels in our world even today. Il y a eu des personnes qui ont eu des expériences avec les anges dans notre monde d'aujourd'hui. Maybe some are aware of these angelic meetings. Et plusieurs ils sont déjà au courant de ces rencontres avec les anges. Maybe others have no idea they've walked or possibly talked with an angel. Par contre, il y a aussi très très possiblement beaucoup de personnes qui n'ont aucune idée qu'il y a eu des anges qui marchaient autour d'eux sans le savoir. We were told in Hebrews chapter 13 verse 2. Pardon, et que peut-être ils ont même parlé avec un ange. Et le passage biblique maintenant c'est Hebrews chapter 13. Hébreux 13 verse 2. Verset 2. Do not forget to show hospitality to strangers. N'oubliez pas de montrer l'hospitalité même aux étrangers. For by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it. Car sans le savoir, certaines ils ont entretenu des conversations avec les anges sans le savoir. God is the same
yesterday, today, and forever. Amen. Et le Seigneur, il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. And we can be confident that he still works in the same powerful ways, for he never changes. Et on peut avoir la confiance, l'assurance, qui est toujours en train de travailler, d'ouvrir, de faire des œuvres pour nous d'une façon puissante, parce qu'il ne change jamais. Here are five reasons why God sent angels in the Bible. Et voici les cinq raisons dans lesquelles Dieu a envoyé les anges dans les Écritures, dans la Bible. What their stories teach us. Et ce que ces histoires-là nous enseignent. And why we may experience an interaction with angels today. Et aussi de quelle façon nous pouvons expérimenter les interactions, les dialogues, d'une façon miraculeuse des fois, hein, avec des vrais anges aujourd'hui. The first one. Alors, la première exemple. Angels come to bring a message from God. C'est que les anges amènent un message, ils viennent pour amener un message de Dieu. Many people believe that angels are very real, even today. Et beaucoup de personnes y croient que vraiment les anges sont du vrai aujourd'hui, ils sont they are existantes. God's messengers, and there is a vast spiritual realm that surrounds us, though we can't visibly see it. Alors, ils sont les messagers de Dieu. Ils sont vastes, ils sont plusieurs, ils sont très nombreux dans un niveau, une ambiance spirituelle qui entoure les gens, même si on ne peut pas le voir visiblement. Like it's written in Colossians chapter 1 verse 16. Et on voit voir l'exemple de celui-là dans le premier chapitre de Colossiens verset 16. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Car en lui toutes choses ont été créées, les choses du ciel et sur la terre, visibles et invisibles. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Ça soit des trônes ou des pouvoirs ou des dirigeantes ou des autorités, toutes choses ont été créées à travers lui et pour lui. There are many examples in the Bible of when God sends an angel to give a specific message to an individual or a group. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible quand le Seigneur il envoie un ange pour donner un message spécifique à un individuel ou un groupe spécifique. Sometimes it was a word of encouragement or to offer hope for what was still to come. Des fois, c'était une parole d'encouragement pour offrir l'espérance de ce qui est allé encore se passer, c'est-à-dire une situation qui n'était pas encore passée. Other times, it was a clear warning of God's people and provided protection and guidance. Here are some examples from Scripture when God sent angels with messages. Alors, des autres situations, des autres fois, on voyait que dans les Écritures, il y avait des préparations, des warnings, comme des menaces, des warnings. C'est comme des, ils prévenaient une claire message au peuple de Dieu pour qu'ils puissent avoir la protection et la direction, être guidés par lui. Et voici les exemples des Écritures où on voit Dieu qui envoie les anges avec un message. In Genesis chapter 18. Avec des messages. En Genèse 18. God sent three of these messengers to Abraham and Sarah. Alors on voit le Seigneur, il a envoyé trois messagères à Abraham et à Sarah. To tell them that even in her old age she would soon bear a son. Pour la dire que même dans son âge avancé, elle allait avoir un fils. Within just a year, those words had come true. Et dans même moins d'un an,
ces paroles-là, ils sont devenues réalité, réelles. And in Genesis 16, et on voit dans le chapitre 16 de Genèse, God sent an angel to Sarah's servant Hagar. Le Seigneur, il avait envoyé un messager à la servante à l'époque de Sarah, Hagar. In the desert when she ran away after feeling hurt and mistreated. Quand elle était dans le désert et elle est courue, elle est partie en se sentant très blessée et maltraitée. And we read the story of how the angel's message was to give hope that God indeed saw her situation and she was not forgotten. Alléluia. Et on voit, on peut lire l'histoire que quand l'ange a apporté ce message, c'était pour la donner l'espérance que Dieu, bien sûr, il voyait sa situation et qu'elle n'était pas oubliée. He sent an angel to the discouraged Gideon in Judges chapter 6 verse 12. Il a envoyé aussi un ange à Gideon qui était découragé. On voit dans le livre de Juges 6:12. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Alors, quand l'ange du Seigneur est apparu à Gideon, il a dit, "Le Seigneur est avec toi, guerrier, vainqueur, très fort, très grand." Hardly the words Gideon may have used to even describe himself at that time. Alors, c'était même pas les mots que lui-même allait utiliser pour sa vie à cette époque-là. But God saw with different eyes. Alléluia, mais le Seigneur, il a vu avec des autres yeux. And the angel's words spoke truth and life to a fearful soul. Et c'est l'ange qui a partagé ces mots de vérité et de vie à l'âme remplie de peur. God sent the angel Gabriel to Mary in Luke chapter 1. Et on voit où le Seigneur, il a aussi envoyé un ange à Marie à travers Gabriel l'ange en Luc chapitre 1. To tell her that she would give birth to the very Son of God, Gabriel also came to Zechariah to tell him the news that Elizabeth would bear a son. C'était pour le dire à Marie qu'elle allait avoir, elle allait donner naissance à le même fils de Dieu. Et Gabriel, il a aussi parlé à Zacharie pour lui dire que la bonne nouvelle, que Élisabeth, sa femme, allait avoir aussi un fils. In Luke chapter 2, God sent an angel messenger to the shepherds to tell them of Jesus' birth. Alors, on voit dans Luc 2, où le Seigneur, il a envoyé les messagères à les bergers pour leur dire, pour leur parler de la naissance de Jésus-Christ. And in Matthew chapter 28, an angel appeared at the tomb of Christ to announce that Jesus was risen. Woo! Et on voit aussi en Matthieu 28 un ange qui est apparu dans le tombe de Jésus-Christ pour annoncer que Jésus était vivant, ressuscité. The second one. Alors le deuxième exemple. Angels protect God's people. On voit les anges, ils sont là pour protéger le peuple de Dieu. In Psalm chapter 34, verse 7. On le voit dans le 34e chapitre de Somme, verset 7. The angel of the Lord encamps all around those who fear him. Amen. C'est l'ange de l'Éternel qui s'entoure vers ceux qui ont la crainte de l'Éternel et il leur délivre. As believers, we never need to be afraid of angels. Alors, comme croyantes, nous, on n'a jamais d'avoir, de, on a, on doit jamais avoir peur des anges. Though this may be our normal response if we ever encountered one. Même si on pouvait avoir une possible expérience
Notre réponse doit être, on va voir la réponse qu'on doit avoir si on a une confrontation avec un ange. The Bible reminds us over and over that we do not need to fear them. Amen. La Bible nous dit, nous raconte et nous rappelle que plusieurs fois, encore et encore, on ne doit pas avoir peur des anges. Like in Luke chapter 2, verse 10. On le voit par exemple en Luc 2, chapitre 2, verset 10. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Mais l'ange, il leur a dit, n'ayez pas peur, je vous amène la bonne nouvelle qui va causer la joie, qui va apporter la joie, une nouvelle de grande joie pour tout le peuple. The angels, God sent them also to protect us. Et le Seigneur envoie, il envoie les anges aussi pour nous protéger. And I got my, I saw angels, the Lord showed me. J'ai eu personnellement des expériences en voyant des anges. I read them in a vision. Dans une vision. That they were protecting me. Qu'ils étaient en train de me protéger. Because there was a devil attack on me. Parce que le diable était en train de attaquer ma vie. For that reason, God showed me that I was protected by the angels. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a montré que j'étais protégée par ces anges. For that reason, I began to pray more and to cast the demons from the person that was near to me. Et c'est pour ça que je continuais à vraiment lutter dans la prière, à combattre, à continuer contre la façon que l'ennemi utilisait la personne qui était Because contre I moi. Knew that God is protecting me. Parce que je savais que le Seigneur était en train de me protéger. But I had also to protect the person that he had these demons. With prayer to cast the demons. Mais j'étais aussi là pour lutter dans la prière pour protéger cette personne qui était rempli de ces esprits démoniaques. And in the end, the Lord won, and the Lord we could cast out the demons from that person. Et à la fin, on a vu comment, à travers l'œuvre du Seigneur, on a su chasser les démons de cette personne de sa vie. Because the Lord showed me in a vision that I was that the angels were surrounding me. Et parce que le Seigneur m'avait montré, comme je disais plus tôt, il m'a montré une vision avec des anges qui entouraient ma vie. I saw them with my Et j'ai vu eyes. Avec mes yeux. Alléluia. So, many times throughout history and still today, God sent angels to protect, guard and fight for us. Alors, plusieurs fois, à travers l'histoire, on voit encore aujourd'hui que Dieu, il envoie des anges pour protéger, pour prendre garde et pour lutter pour nous. We do not have authority over angels. On n'a pas l'autorité, nous, au-dessus des anges. And the Bible never tells us to give them instruction or to command them. Yeah. Et la Bible nous dit jamais de leur donner des instructions. Ou des autres. That is the work of God alone. Ça, c'est l'œuvre tout seul de Dieu, c'est de lui. Because God protects us all the time with through the angels, and even Jesus said, if I want now to stop all the things, crucifixion, he said, I can send 12 armies of angels. Alors, on voit que. If I ask my father. Et on voit que Alléluia. On voit aussi l'exemple où le Jésus-Christ même, OK, il a dit si je veux moi-même, je peux demander à mon Père, il va envoyer toute une armée des anges. 12 armées des anges pour empêcher la crucifixion, ça veut dire calvaire.
et voilà. He tells us in the powerful words of Psalms 91. Et il nous raconte juste l'image dans le psaume 91. That he would give angels charge concerning us. Alléluia. To guard us in all our ways. Qu'il allait nous donner charge, le courage, ça veut dire à travers les anges, en concernant nos vies, pour nous protéger dans tous nos voies, nos chemins. God sent an angel to protect Daniel when he was thrown. He was thrown into the lion's den. Le Seigneur, il a envoyé un ange pour protéger Daniel quand il était jeté dans le gardien avec les lions. Le lion avec les lions. Daniel chapter 6, verse 22. En Daniel 6, 22. Says that he shut the mouth of the lions so that no harm came to him who was found blameless before God. Alors, c'est écrit que le Seigneur, il a fermé la bouche des lions pour qu'ils ne puissent pas lui faire du mal. It was an angel God sent. C'était un ange que le Seigneur il a envoyé pour qu'il puisse être impeccable devant Dieu. To protect Daniel. Pour protéger Daniel. God reminded the Israelites, yeah. Israelites of his presence with them in Exodus chapter 23 verse 20. Et on voit aussi que le Seigneur il a rappelé le peuple d'Israël de sa présence en étant avec eux dans le livre d'Exode 23:20. When he said, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place that I have prepared. Alors, quand il a dit, on voit ici, je suis en train de vous envoyer un ange devant vous pour vous protéger dans le chemin et pour vous rappeler, vous amener à la place que j'ai préparée pour vous. In 2 Kings chapter 6 verse 17. So in dans le deuxième chapitre, ça veut dire Deux Rois, chapitre 6, verset 17. Elisha prayed that his servant would see the armies of angels surrounding the city. Élisée, il a prié que ses serviteurs, son serviteur, puissent voir toutes les armées des anges qui entouraient la ville. God opened his eyes and he realized he had overlooked these mighty invisible beings. Et c'est wow! Dieu a ouvert ses yeux et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas vu d'abord au commencement toute la puissance de ces êtres invisibles. His words, Jesus' words, remind us of his special care over children. Et sa parole nous rappelle aussi de son soin spécial sur les enfants. See that you do not despise one of these little ones. Prenez compte de ne pas ignorer, négliger un de ces petits. For I tell you that in heaven their angels always see the face of my Father. Car je vous dis que au ciel les anges toujours ils ont le visage. Il voit le visage de mon Père. In Matthew chapter 18, verse 10. C'est sur Matthieu 18, verset 10. And number 3. Et voici la troisième exemple. God's angels come to comfort and minister to believers. Les anges de l'Éternel, ils viennent pour apporter le confort et apporter le ministère aux croyantes. Many times God sent angels to minister to those in extreme times of pain, loss or grief. Plusieurs fois on voit que Dieu envoie les anges
pour apporter ministère à ceux qui sont en train de lutter des extrêmes douleurs ou des pertes ou beaucoup des amertumes. If you ever sat at the beside of a loved one who was at heaven's gates. Si une fois vous étiez dans une expérience de se tenir à côté d'un bien-aimé qui était à la porte du ciel. Whether you recognized it or not, you were surely in the presence of angels. Même si vous n'allez pas le reconnaître, vous étiez sûrement dans la présence des anges. Maybe one of your loved ones has spoken last words of seeing angels or light before being ushered straight into the presence of God. Alors c'est possible qu'un de vos bien-aimés a parlé, a partagé ses derniers mots en voyant des anges ou une lumière et ils étaient très consolés avec l'effet d'avoir été d'avoir vu devant la présence de Dieu. We see many accounts in the Bible of when God sent his messengers to provide comfort and to minister to those who are in need and to those who are passing from this life to the next. Alors on voit très souvent des exemples dans la Bible quand le Seigneur il envoie les messagers pour apporter le confort et apporter ministère à ceux qui sont en train ceux qui ont besoin d'apporter le soin à ceux qui sont en train de passer de ce monde, de cette vie à la prochaine, à l'autre. When Elijah was afraid and running for his life in 1 Kings chapter 19, an angel appeared to him and provided food and water for his journey. Alors avec Élisée, on voit avec Élie, on voit qu'il avait peur. Il était en train de courir pour sa vie dans le 1 roi, chapitre 19, en disant, c'est écrit, un ange lui apparut et a prouvé la nourriture et de l'eau pour son chemin. Yes. Roman. In the garden of Gethsemane, as Jesus prayed and wrestled with what was to come, in Luke chapter 22, verse 43. Tell us that an angel appeared from heaven, strengthening him. Et dans le jardin de Gethsemane, on voit que Jésus, il priait, il luttait avec ce qui allait se passer dans le futur. On le lit dans Luc 22, 43. Ils nous disent, un ange apparaît du ciel pour lui apporter la force, pour lui fortifier. After Jesus spent 40 days in the wilderness and stood strong against the temptation of the devil, in Matthew chapter 4, verse 11, says that the devil left him and behold, angels came and were ministering to him. Et on le voit encore dans l'exemple avec Jésus, après qu'il était les 40 jours... Par exemple, après que Jésus était les 40 jours dans le désert et qu'il s'est tenu ferme contre les tentations du diable, en Matthieu 4, 11, c'est écrit, après que le diable il lui a laissé, alors les anges ont venu pour lui apporter ministère. Et number 4, angel executes God's judgment. Alors le quatrième exemple, c'est les anges exhortent, ça veut dire ils apportent le jugement de Dieu. According to the Bible, angels can also be used by God to punish sin and to bring his judgment. On voit aussi que par rapport à la Bible, les anges peuvent aussi être utilisés par le Seigneur pour la punition du péché et pour apporter le jugement. We are wise to walk in spiritual discernment, for the Bible says in 2 Corinthians chapter 11, verse 14.
that the devil will disguise himself as an angel of light. Mm-hmm. We can always be confident with God's help as he leads us to recognize truth and deception through his spirits who guide us. Alors, c'est très sage de notre part de marcher dans le discernement spirituel parce que la Bible nous dit en 2 Corinthiens 11, 14 que même si le diable il vient déguiser lui-même comme un ange de lumière, okay, on doit savoir, on doit reconnaître ça, on peut toujours avoir la confiance qu'avec l'aide du Seigneur, il va nous diriger pour reconnaître la vérité et aussi la déception à travers son Saint-Esprit qui nous dirige. And me, I got the experience of angels walking with me. I got the experience in Lebanon. Mm-hmm. Et même dans ma vie personnelle, j'ai eu ces expériences d'être entouré des anges quand j'étais au Liban. In the middle of the war. Au milieu de la guerre. J'apportais la nourriture, du pain et du lait aux gens qui étaient cachés dans des bomb quartiers, des refuges, de les bombes qui explosaient dehors. And I was walking like, which is, it was written in the Psalms, there was 1,000 on your left right hand and 10,000 on your left hand and you will not touch you. Amen. Et comme le disent Psaume 91, qu'il y avait 1000 à la droite et 10 000 à la gauche, peu importe combien il y avait, ils étaient tous entourés, mais aucune pouvait me toucher. I was walking between the bombs, everyone was falling on the left side, right. Alors, side. Il y avait des gens qui tombaient à la droite, des bombes, qui tombaient à la droite et à la gauche. And nothing touched me. Et aucune chose m'a touché. Because I was surrounded by angels. Parce que le Seigneur m'avait entouré des anges. I saw them with my eyes because I have the spiritual eyes. Et je leur ai vu avec mes yeux parce que il m'avait donné des yeux spirituels. For that reason, we mustn't scare. Be scared of anything in this Amen. World. If God is with you, Amen. Who can be against you? C'est pour cette raison-là qu'on doit jamais avoir peur de les choses dans ce monde, car si le Seigneur il est avec nous, qui sera contre nous? In 2 Kings, King Hezekiah prayed boldly to God, asking for his help against their enemies. Alors en 2 Rois, on voit le roi Hezekiah. Il avait prié avec courage vers le Seigneur en demandant l'aide contre les ennemis, contre leurs ennemis. The Assyrians were known for the cruel way that treated their captives. Alors les Syriens, ils se connaissaient à cette époque-là par les traitements cruels vers leurs captifs, vers les gens captifs. In chapter 19, verse 35, says that the night the angel of the Lord went out and put to death 185,000 men. Alors on voit dans le chapitre 19 de 2 Rois, verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel, il est allé pour apporter la mort à 185,000 hommes. In Revelation chapter 12, verse 7 to 9. Et en Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Tell us now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon. And the dragon and his angels fought back, but he was defeated. Mm-hmm. Alors, ça nous explique, on va le lire ici. Alors, la guerre est était remonté du ciel, Michael et ses anges qui luttaient contre le dragon, qui combattaient contre le dragon, et le dragon et ses anges, ils ont lutté de retour, mais ils étaient battus. Et there was no longer any place for them in heaven.
Et il n'y avait plus un lieu pour eux dans le ciel. And the great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Et on voit le grand dragon qui était expulsé en bas, chassé. Ce ancien, ce serpent ancien, qui est aussi nommé le diable, Satan, celui qui déceptionne le monde entier. Et il était expulsé. And he was thrown down to the earth. Oui, il était. Il était jeté sur la terre, et toutes ses anges ont été aussi chassés avec lui. Number 5, angels come to give praise and worship to God. Le cinquième, les anges viennent pour apporter la louange et l'adoration au Seigneur. Angels are mighty beings who offer praise and worship to God. As a worship leader, I love that. Yes. One. Comme le leader de louange. God never intends for us to worship angels or pray to them. Amen. On voit que les anges, ils sont des êtres très puissants qui apportent la louange et l'adoration au Seigneur. Mais on voit aussi, le Seigneur nous a jamais, il a jamais eu l'intention pour qu'on puisse adorer les anges ou prier vers eux. Ça veut dire à les anges. In Revelation chapter 4, 11, it says, He alone is worthy of our worship. Amen. On voit aussi en Apocalypse 4, 11, lui-même, il est digne de nos louanges. And angel reminds us of this truth. Et les anges, ils nous rappellent de cette vérité. And in Revelation chapter 4, verse 8, says, Day and night, they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Alors, on a Apocalypse 4, 8, on voit aussi, c'est écrit, jour et nuit, ils n'arrêtent pas jamais de dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. In Revelation chapter 5, verse 11 and 12. Et en concluant avec Apocalypse 5, 11 à 12. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. In a loud voice they sang, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Thank you, Lord. On peut lire aussi dans le cinquième chapitre d'Apocalypse 11 à 12. Après, j'ai regardé, j'ai écouté la voix des nombreux anges qui nombraient des milliers sur des milliers, des dizaines des milliers, sur des dizaines des milliers, avec une voix si forte en proclamant « Digne est l'agneau qui était blessé, de qui on reçoit la puissance, la gloire, la sagesse, la force, l'honneur ». Et la louange. So the purpose of our message today. Alors le propos, la raison pour laquelle on partage ce message d'aujourd'hui. That God always protect us with God protect us through the angels all the time. C'est qu'on puisse vraiment comprendre, we can understand that He does that, yeah. Non? Qu'on puisse comprendre que le Seigneur, il est toujours en train de nous protéger, même à travers des anges dans nos vies. If we really follow him and keep his commandments. Si on est vraiment en train de lui suivre et de vivre ses commandements. We have nothing to fear. On a rien à craindre. It says even your hairs are counted, none of them falls without his order. Il sait même combien de cheveux on a sur la tête et même les cheveux ne vont pas tomber sans qu'il sache. Une poêle, please. Une poêle, amen. For that reason, God sent his angel. C'est pour ça que le Seigneur il a envoyé son ange.
to shut the mouth of the lions. Pour fermer la bouche des lions. For that reason, you don't need to fear any lion, the roaring lion. Vous n'avez jamais avoir peur des lions qui font des grands. Qui rugit. Amen. Because the lion of Judah. Woo! Parce que le lion de Juda. Is with us. Il est avec nous. And he sent his angels always to protect Amen. Us. Et il envoie toujours ses anges pour nous protéger. So because of these days are so wicked. Alors parce que on se trouve dans des jours très mauvais. We can be in danger anytime. On peut se trouver dans n'importe quel moment au milieu du danger. In driving your car. En conduisant nos voitures. L'ennemi veut essayer toujours à nous détruire. In any place, in any sickness with ou peu corona importe quelle or façon anything. Par les maladies comme le corona. But who trust Mais God c'est qu'ils ont la confiance vraiment dans l'Éternel. And Jesus is his Lord. Et qu'ils ont confiance en Jésus-Christ qui est leur sauveur, leur Seigneur. He has nothing to fear. Alors cette personne-là n'a rien à craindre. God, now I will pray that God open your eyes like the servant opens your eyes, like the servant of Elisha, so Ooh. You can see that you are surrounded Amen. With thousands, Amen. Thousands and Hallelujah. Hundreds of angels with chariots. No one can attack you. Amen. Maintenant, je vais exhorter une prière sur vos vies pour que le Seigneur puisse ouvrir les yeux comme le serviteur de Élisée, qui pouvait voir combien des armées d'anges entouraient leur encampement, c'est-à-dire okay. leur vie. Amen. Thank you, Lord Jesus, we pray now. Seigneur Jésus, on prie maintenant. And we proclaim Amen. Your protection over Et on proclame, all my brothers Seigneur, and sisters. Ta protection sur tous nos frères, nos sœurs. And especially that you, Lord, touch et their Seigneur, eyes, open their eyes, qu'ils puissent toucher et ouvrir leurs yeux, so they can see there is chariots, qu'ils puissent voir and qu'il thousands y a même des chariots et des milliers d'anges that surrounds us, qui nous entourent. Who is with us is more et than ceux qui who sont is against avec nous us. Sont plus nombreux de ceux qui sont contre nous. Especially in these wicked days, spécialement dans ces jours si mauvais, that we have God's protection. Dans lesquels on trouve, Seigneur, ta protection. That's very important. Qui est vraiment important. So we can concentrate and focus. Pour qu'on puisse se concentrer et être focalisé. And fix our eyes on Jesus, the chief of our faith. Et qu'on puisse vraiment fixer nos yeux sur Jésus-Christ, qui est le chef de nos foies. So transform hearts. Alors, Seigneur Jésus, transforme les cœurs. So that we can always seek your pour qu'on presence. Puisse toujours suivre, chercher ta présence. And boldly, like the king Ezekiah. Et comme le roi Ézéchiel, Ézéchie, on peut courageusement. We can ask always that God's protection will on peut, continue. On puisse toujours demander que la protection de that Dieu God puisse continuer avec this courage, nation, Seigneur, et que le Seigneur puisse protéger ce pays. All nations. Toutes les nations. So the devil can be cast out of all our thoughts, our life, pour que and le diable our, puisse être chassé de toutes nos pensées, de nos vies, and from over all people, so they can come to salvation. Et pour tous ceux qui sont, ils ont besoin d'être libérés pour être sauvés dans ton salut. In name of Jesus, amen. Au nom de Jésus, on le proclame. Amen. Alléluia, Amen. Et je veux aussi partager dans mon esprit la puissance d'être dans encore le nom de Jésus, ce qu'on vient de proclamer. Il n'y a pas de prix d'être caché dans le nom de Jésus. I just also want to share how powerful it is to be hidden and covered in and under the name, the mighty name of Jesus. Amen. Once we say Jesus, and we mean it, God's, you know, just like that picture that you were sharing, God's encampment of his, you know, his power, but also the presence of the Lord and of angels. You know, we don't see them, but God is on our side.
dès qu'on proclame le nom de Jésus, c'est pas seulement la présence du Seigneur, mais c'est la présence de l'entourage des anges, ça veut dire qu'on voit pas, mais qui nous entoure dès qu'on le proclame. Amen. Amen. And always I can say my testimony about I fought against the devil in the beginning of my life face to face. Et aussi dans le témoignage où j'ai partagé que face à face j'ai lutté contre le diable. And I saw the angels with my eyes. J'ai vu des anges avec mes yeux. And I spoke with Jesus face to face many times. Et plusieurs fois j'ai eu des témoignages où je parlais face à face avec Jésus-Christ. And heaven and hell is more than real. Et que vraiment le Seigneur m'a montré encore et encore et encore que le ciel et l'enfer sont vrais, ils sont du vrai. Even some of the people they don't sont believe. Réels. Même s'il y a des gens qui croient pas, qui croient pas. But like I said already with so many times in atheist people, that one showed me the Lord. What the Lord showed me. Yeah, the Lord showed me. Que de la même façon que j'ai partagé des nombreuses fois avec des personnes athées, que ce que le Seigneur m'avait montré. That I'm someone that speaks almost seven languages. Que en parlant moi-même presque sept langues. And I am a graphic designer. Et que je suis design graphiste. And every time that I spoke with an atheist, chaque fois que je parlais avec un athée, I said I spoke with Jesus. I know the angels. I know Satan, and I'm not crazy because I speak seven languages. I'm a graphic designer. If you don't believe in God, believe in now because you have a real witness in front of you. Alors je disais aux personnes athées, si vous n'allez pas le croire, ben moi-même j'ai un témoignage. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le diable, j'ai vu les anges, j'ai expérimenté ça vraiment. Je suis pas n'importe qui quand même. Je parle presque sept langues. J'ai vraiment toute une carrière avec le design graphique. Alors si vous croyez pas, ben croyez-le aujourd'hui avec mon témoignage. This is very important to be a real witness of what we. Et c'est beaucoup plus important d'être un témoin réel. Oui, vraiment, un vrai témoin de ce qu'on a vu, de ce qu'on a passé. And we mustn't be ashamed to tell people. Et on ne doit pas avoir honte de partager ces choses avec les gens. Amen. Alors, au nom de Jésus, moi aussi j'aimerais, en préparation avec les petites louanges, exhorter à chacun de nous de vraiment se livrer vers le Seigneur en disant: Seigneur, prends mes peurs, prends mes orgueils, prends toute ma vie pour que ton nom soit élevé dans toutes les façons, les ambiances. Pas seulement d'une certaine façon, mais en tout temps, totalement et uniquement le Seigneur. So I just exhort before we have the praise and the worship that you just take the fears, the pride, the things that, you know, are not of the Lord. And God says, you know, just bring it to me, just surrender, bring it to me. And it's not just of having a part of God in our life, but it's only, completely, and always. You know, God wants His life to be, how do you say, when people look at you, that it be completely His quand, life they see. Quand les gens te voient, qu'ils voient Jésus en toi. Amen, amen, c'est ça. Surrender. Ooh, oh, Lord.
should have done till you threw me a line. Thank you.
Your anointing.
is the way we're going to see him. When he comes back, when he returns, he says, be ready in Jesus' name. It will be a glorious day when Jesus comes. Ça va être un jour glorieux quand le Seigneur revient. To take rapture us on the clouds. Pour nous prendre dans les nuages. I will see him with my eyes. Je le verrai, je vais le voir avec mes yeux. A rejoicing in the clouds. Un réjoui dans les nuages. He shall wipe away our tears. Il va effacer toutes nos larmes. No more sorrow, no more pain. On n'aura plus de tristesse, plus de douleur. Il m'a montré 5 fois qu'il allait m'enlever vivant. Je ne vais pas la voir. I won't see the death. Que je n'allais pas voir la mort. Seigneur Jésus, sois glorifié. You know, the most important thing about is that Jesus must be king of your life. Not just later, but so, while you're on earth too. But it's a very important question because I asked him. So I asked him, Lord, am I ready for the rapture? Show me how. Là, c'était une bonne question parce que moi-même, je me suis demandé, Seigneur, est-ce que je suis prête pour l'enlèvement? And he showed me the beginning of when the Lord brought me up, that I was, my life was up. À cette époque-là, le Seigneur m'avait vraiment réveillé que le niveau de ma vie, c'était. And so when he showed me that now you are ready, so it was. Il m'a montré après ces questionnements, tout ça, les choses qui luttaient dans mon esprit, que à la fin j'étais prêt. So you can ask Jesus. Alors toi-même, tu peux demander le Seigneur si tu es prêt pour l'enlèvement. He's alive. He tells you. Il est vivant. Il va vous répondre. With visions, with revelations. Avec des révélations. It's very important thing that every believer asks Jesus. C'est très important que chaque croyant puisse demander Seigneur au Seigneur. If he's ready for the rapture. À Jésus directement, s'il est prêt pour l'enlèvement. Alive or after that, same. Alors, ça soit
vivant ou après la mort? Vivant ou après la mort? Ce que c'est, je pense qu'on vient de l'âme. Alors, dans, voilà, c'est pas seulement pour les gens qui sont vivants. C'est la qui vient de l'âme, et puis. Ok, alors c'est pour ceux qui sont vivants, et c'est écrit que même les morts vont être. To look like him.
But we sign for you to have your will done. On signe pour toi et parce que toi tu règnes. Que tu puisses avoir que ta volonté soit faite. Here we are, God. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory.
now. The Lord is here. Merci, pour tout le monde. On prie so pour we tout thank le monde. Each one of you. We pray for you. On envoie nos saluts pour, and we send our greetings pour la France, pour to Belgique, our friends in France, in Belgium, in all of Europe, Latin America, l'Amérique aussi, and the Americas, all of the Americas, le Moyen-Orient, the Middle East, amen, Asia, Asia, Africa, yes. And Australia also. And Australia too. All over. China, in Japan. Jesus' name. Yes. Especially. China, Japan. Yeah, actually. It's a big... We have specific places in different ways, in different times that are dear to our heart. On a différents lieux, différents pays, nations que le Seigneur a mis dans nos cœurs à différents moments, des façons uniques. Et on sait que le Seigneur, il va se présenter d'une façon très... très très fort dans ces jours-là. We know that God is going to manifest himself in a very powerful way in these days. So don't underestimate what the Lord can do through you. Alors, ne sous-estime pas ce que le Seigneur il peut faire à travers ta vie. Amen. Amen. Au nom de Jésus. And remember, you're not alone. Rappelez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des anges. Il y a des anges. There are angels. Amen.